Moi, j'essaie d'être photographe. Je ne sais pas parler et ça ne m'intéresse pas de parler. Et si j'ai quelque chose à dire, peut-être on peut le trouver dans mes photos. Ça ne m'intéresse pas d'expliquer les choses, de dire le pourquoi et comment. Je veux bien montrer mes photos, pas tellement mes contacts. Je travaille surtout sur des petits tirages. Je les regarde souvent et longtemps. Je les mets sur le mur. Je les compare pour être sûr de mon choix. Je laisse les autres dire ce qu'elles signifient. Mes photos, toi, tu les connais. Tu les as publiées. Tu les as exposées. Alors, tu peux dire si elles ont un sens ou pas. C'est vrai. Je le connais, Koudelka, depuis longtemps, depuis 20 ans, depuis qu'il a quitté la Tchécoslovaquie. C'était la fin du printemps de Prague, la fin d'un rêve. Entre les soldats russes et les habitants d'une ville en état de siège, tout dialogue était impossible. La violence ne cessera d'enfler. Ces folles journées d'été, ce drame d'un peuple bafoué, Joseph Koudelka les a vécues intensément. Il dit que ça a été le maximum de sa vie. Mais il n'est pas un témoin de l'histoire. L'histoire qu'il raconte, en images fiévreuses, cette histoire-là est la sienne. Deux ans plus tard, il arrivait à Paris. Il est entré à Magnum, et puis il n'a cessé de circuler, de l'Irlande à la Sicile, de la Grèce à l'Espagne. Il continue à vivre de rien. Il continue à travailler. Il dit « Je voudrais tout voir, tout regarder. Je voudrais être un regard. » André Breton dit quelque part que l'œil existe à l'état sauvage. Si on applique la formule à la photographie et qu'on cherche un nom pour l'illustrer, c'est celui de Koudelka qui semble le plus approprié. Sauvage, cette frénésie muette à accumuler des images et cette paradoxale organisation du temps. La photographie considérée comme une activité saisonnière, la belle saison pour la moisson, l'engrangement qui dure un hiver, les planches de contact comme un grenier, et ces petits tirages, par milliers, qu'il tourne et qu'il retourne, qu'il annote et qu'il associe. Toutes ces images qu'il prend et qu'il ne reconnaît pas. Et puis les autres,
celles qui sont à lui pour la vie, celles qu'il reconnaît et qu'il accepte. Sauvage encore, ce mépris qu'il a pour les commentaires, les explications, les justifications. Ce refus même des légendes et de toute information. Seulement une volonté intense de faire ce qu'il doit faire, voir, une rage de voir, encore et toujours, et de garder ce qu'il voit. De le fixer dans une forme qui est la sienne, et selon des thèmes qui s'organisent et se précisent avec le temps qui passe. Et moi, circulant dans ces planches de contact, marquées aux trois couleurs, le blanc, le bleu, le rouge, feuilletant ces piles de tirages qu'il pose chaque année sur ma table, j'ai la sensation de mettre mes pas dans les siens et l'œil dans son œilleton. Je voyage par intérim et je vois ce qu'il a vu. Le souffle soudain coupé par ces traits rouges qui marquent les temps d'une vérité qui n'appartient qu'à lui.